Le temps d'allumer les charbons de bois, d'attendre l'eau bouillir, de mélanger la pâte de maïs et de foufou, malaxer et obtenir ces résultats, j'ai dû passer une trentaine de minutes. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Malaxer et faire en sorte que le mélange puisse donner une bonne qualité de foufou, c'est pas facile. J'ai fait l'invention du robot ménager à préparer le foufou. Il prépare le foufou en 12 minutes pour 16 personnes et il prépare 9 qualités de foufou. Ça nous aide dans des familles de grandes personnes là pour ne pas se fatiguer et à garder un peu notre énergie. C'est un bel instrument pour délivrer la ménagère de l'asservissement des travaux durs de préparation de la pâte. Nous savons que nous sommes liés, n'est-ce pas, au foufou, parce que c'est ça notre tradition. C'est ce que j'ai toujours dit, qu'on ne peut pas remplacer le foufou. J'habite juste à côté, je suis voisin, et voilà encore il vient de produire une merveille dans le domaine culinaire pour faciliter la tâche aux mamans. Papa, ça n'a pas sa majesté. Je n'ai pas la mise au couteau, elle va très bien. J'invite les Africains à s'intéresser beaucoup à toutes les sciences, à concevoir de bons programmes, car demain, il y a de grands défis déjà qui se préparent pour l'Afrique. Notre pays est amoureux de ses bébés. Cette invention témoigne bien de notre manière d'exister, de vivre. C'est le produit fondamental qui fait grandir tous les Africains ici.